peux y arriver. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Désolée. Bon, retour au camp. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Thank you.
Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Tara! Tu es en vie! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non! Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du monstre d'Odon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. De la musique? Eh oh! Eh oh! Y a quelqu'un? Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Je vais passer par là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh non, c'est de la folie. Ce masque de nœud traditionnel représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse.
Entendu? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe. Énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Mais que lui est-il arrivé ? Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Merde. Ah!
plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, 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 hé, pour Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. C'est pas si mal. Par où commencer ? Bon. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon, à l'est du Japon. Cet endroit est incroyable. J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Nous n'étions pas les premiers, et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il se passe des choses étranges sur cette île. Si je devais ne jamais partir d'ici, peut-être que quelqu'un finirait par trouver ceci. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Ils l'appelaient la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline! Cherchez le grand portail! Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur.
Lara est en pleine crise de confiance. Alors, j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi. Les acteurs de Nau penchaient la tête vers le haut ou vers le bas afin que le masque exprime différentes émotions.